What the fuck? Bonjour. Bonjour. Ouais, nickel. Thomas, FF5. Enchanté. De aussi. Vous voulez avoir un peu plus d'infos sur la FFL? Bah, pourquoi pas, le monsieur à côté nous en a déjà un peu parlé. FFL. Vous les connaissez bien, vous, les FFL? Bah justement, c'est nous, en fait. Ouais, c'est nous. Ah, d'accord. Enfin, il manque un vous petit m'avez dit que équipe. vous avez tué un contact. Vous m'avez menti. Oh. C'est pas méchant. Faut savoir mentir dans la vie. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Fais F5, Thomas, pour corriger ta tenue. Ah, mais du coup, monsieur, vous voulez quoi comme renseignement? Qu'est-ce qu'on fait, tout ça? Bah, quelles sont vos revendications? J'aimerais savoir ce que vous faites et dans quel En but. fait, on n'a pas de revendications. Est-ce que vous savez ce que c'est les FFL? Bah, je veux bien savoir ce que ça veut dire FFL. Ça veut dire Force Française Libre. C'était le terme qui était utilisé lors de la Seconde Guerre mondiale. Et lorsque la France était entièrement occupée par l'Allemagne nazie, deux régiments, on va dire, de rebelles se sont construits, les FFI, Force Française Intérieure, et les FFL, Force Française Libre, qui étaient à l'intérieur de la France, qui étaient sous l'ordre français. Nous, on fait un peu le même principe, on est là pour libérer Altis des voyous, des braquages, de tous ces... toutes ces atrocités. À noter que 177 Français ont débarqué sur les plages de Sandwich en 44. 177 soldats français des FFL. Eh oui, d'accord. On n'en parle pas assez. Eh ben merci pour ce petit cours d'histoire géo. C'est ça. Et 177, mais n'oubliez jamais. C'est une noble cause, j'approuve. Et en fait, nous, notre cause, c'est on sécurise les zones beaucoup fréquenté par tout ce qui est ouvrier, civil, pour avoir une meilleure sécurité, pour éviter tout ce qui est braquage, tout ça. Les braqueurs, si on en trouve, soit les capturent et puis ils payent une grosse amende, soit si vraiment ils demandent vraiment beaucoup de défense envers nous, ben dans certains cas, c'est une civière à l'hôpital, quoi. Ouais, ou une civière à l'hôpital. Et du coup, est-ce que vous vous occupez un peu de la zone du pétrole? On s'occupe principalement cuivre. On s'occupe principalement cuivre parce que on trouve qu'il y a beaucoup trop de braqueurs au cuivre. Ouais, voilà, exactement. Mais il y a beaucoup trop de braqueurs aussi au cuivre. C'est étonnant. C'est étonnant de voir autant de braqueurs. Ah, on a enchaîné 3 braquages à la suite. Alors que sur les 3 braquages à la suite, pas une seule fois la police est venue. Ah mais apparemment il y a eu quelques problèmes, la police, ils sont un peu pris là. Ah ouais, mais le problème c'est que ça, c'est que on va dire 80% du temps de la police, ils sont soit à la douane, soit à l'usine. Donc les 20% qui restent, c'est soit des petits cadets. Ou soit des stagiaires qui sont à Kavala et puis ils savent pas trop le travail, donc ils font n'importe quoi. Exactement. D'accord. S'il vous plaît les gars, je sais que c'est ridicule, je vous demande, il y en a pas un de vous deux qui a une pomme à me donner. Je pense ça en fait. Oula, désolé. Bien merci pour de ces explications. Et pour savoir aussi, et s'il vous plaît... Évitez de faire du cuivre avec des gros camions parce que souvent c'est les gens qui commencent qui font le cuivre, donc ça serait sympa de leur laisser un peu l'économie du cuivre, parce que en fait on voit trop de personnes avec des gros camions qui cassent l'économie, et du coup les gens qui arrivent ben ils font 3 voyages pour se faire minimum 100 000, donc c'est désastreux quoi. C'est un peu l'idée qu'on se fait très rapidement de ces gens là en gros. Si vous faites du cuivre et que vous avez un gros camion, signalez. C'est-à-dire que si nous, vous nous voyez, vous nous dites tout de suite, on est à nos débuts,
On vérifie si vous êtes effectivement à vos débuts et en fonction, on vous laissera oui ou non le faire. Parce qu'actuellement, il y a énormément de gens qui ont déjà énormément d'argent. Ils D'accord. continuent de farmer le minerai de cuivre pour se faire de l'argent et qui défoncent l'économie du cuivre et qui permet aux débutants de ne pas se développer. Et ben c'est un peu un monde capitaliste. C'est un peu la même chose. Donc nous, on est là pour empêcher ça. Donc si vous pouvez faire ça avec un pick-up, c'est nickel. Si vous devez faire ça avec un gros camion On vous parce que vous demande êtes pas non plus débutant et que vous avez de la pas chance d'en utiliser de avoir un, camion, vous hein. faites attention. Au contraire, c'est juste qu'on vous demande pas d'utiliser un HMTT pour farmer du cuivre, quoi. C'est complètement Un peu le idiot parce truc quoi, que. voilà. Vous prenez Ah oui, non un mais Zamac de comme je vous l'ai transport dit, basique. Oui, non mais comme je vous l'ai dit, nous on s'occupe surtout du pétrole en fait. Ouais, voilà, La tu.